Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light 2 avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on se retrouve, je crois qu'on s'était quitté un peu dans le mal après quelques petits problèmes de zombies nocturnes. Hein. De mort à répétition. Ouais, c'est ça. Je sais même plus comment ça se fait qu'on s'est retrouvé en pleine journée là. On avait fait passer la nuit au final, non? Ouais, on avait passé la nuit, mais pour qu'on n'était pas dans une cache, quoi. Ah, mais voilà. Si, je crois que si, t'avais réussi à me retrouver en voiture, on s'était enfui de manière épique, là, je me souviens que j'étais sur ta bagnole, à chinter les trucs au fusil à pompe. Et normalement, on avait dû réussir à se pointer près de la centrale et... J'arrive pas à l'ouvrir. Tu veux que je le fasse? Et à toi, j'ai plus de crochet. Ah bah merde. Voyons ça. Hop, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a? Une machette. Inventaire plein. Ouais, j'ai pas un truc que je pourrais acheter là. On a quoi ici? Un képèche à 670. Ouais. On va prendre ça. Par contre, pourquoi on n'a pas de voiture? 2 km les voitures? Bah on va finir à pied. On va essayer. Avant la nuit si possible. Bon, yeah, yeah. Ah ouais, fais gaffe, c'est du poison ça. Hein. Ah, c'est plus que du poison. Seuls les bandits arrivent. Est-ce qu'il peut faire un petit peu plus une demande claire? Bah... Bon, je suis seul, les bandits arrivent, donc... S'il vous plaît, il a dit nous ne pouvons pas laisser faire ça, moi, chez moi. Ah, moi non. Moi, il a dit je suis seul, les bandits arrivent. Il m'a dit ils veulent profaner l'hôtel, on peut pas laisser faire ça. Venez m'aider, un truc du genre. C'est un petit peu plus clair quand même. C'est loin. Bon alors du coup. Oh c'est pas si loin que ça. C'est loin? Non. Ah non c'est bon. Faut grimper un peu quoi. Ah putain je suis encore avec la. la lampe UV. Merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain. Ok, d'accord, n'importe quoi. Tu vas pas du tout dans la bonne direction ou c'est moi? Bah Je suis un peu essoufflé. C'est où ce machin? Bah ouais c'est ça va, donc c'est en bas en fait. C'est en bas ouais. Si vous voulez faire de la stratégie et tu vas les prendre par surprise. On a attiré quelques zombies. Le survivant est mort. Merde, on l'a buté. Non, il y a. On est arrivé un peu tard. Ouais. Je crois que le zombie est passé et c'est le zombie qui l'a terminé. Ah merde. Bon bah. Tant pis. Condoléances. Ah, mais il est là le dernier. Hey, salut gamin. Aïe, 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 aïe. Il y en a un qui se défend encore. Bah oui. Je lui avais mis un carreau dans les fesses, mais il a dû réussir à s'enfuir. T'inquiète, vu là où j'ai mis le carreau, il va pas s'en sortir. Bon bah on traverse jusqu'à la station radio. Il y a un crasheur là-bas. Ah oui putain, on a vu. Essayer de débarquer un peu plus loin. Ce qui est bien, c'est que c'est totalement une eau qui est saine, qui ne. Ouais, non, là on est bien là, je pense. On est sur la côte d'Azur, quoi.
mange. Putain, il est costaud, hein. 3 carreaux dans la tronche. Enfin, dans le bide, précisément. Il est coriace. Oh, bonjour, messieurs. Une tentative de l'armée de réagir, de faire quelque chose. Ouais, on dirait. On peut pas dire, hein, y a eu quelque chose. D'essence. Et genre toi avec une arbalète t'arrives à t'en sortir. Par contre eux 5 personnes avec des flingues super entraînées. Écoute je pense qu'on sait que globalement il y a des moments où même avec une arbalète voire même avec des fusils d'assaut on s'en serait pas sorti. Il est atteignable à pied le truc là. Oh, il est hyper loin. Oh putain, t'aurais pu me prévenir. Oh la vache. Pas dire que c'était un peu prévu, mais c'était un peu prévu. Oh, j'étais tranquillou en train de looter là. Fumier quoi. Oh, oh. Ah, il tape à travers le mur, ok. Ouais, je suis re à terre du coup. Vous avez votre témoin, Katox se sert de moi pour faire ses expériences. Des expériences, tout de suite, je dirais pas des expériences, je dirais plutôt une perception du monde sous un angle différent. C'est bon. Là, c'est comme ça qu'il faut le tuer. Bon, est-ce que je vais pouvoir ouvrir mes coffres du coup ou... Là on a des... y a moyen d'avoir des petites pièces de voiture là dans ce petit truc. Bah ouais, hein, le largage c'est beaucoup trop loin. J'étais tranquillement en train de regarder où c'était quand y a un mec qui m'a foutu un gros coup de marteau. Non, j'ai trouvé, de toute façon t'as des coffres à peu près partout ici. Ouais, dans cette zone là, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête de la looter à chaque fois qu'on y passe parce que sinon. ça va faire des épisodes vraiment trop longs. C'est très bien le loot. Inventaire plein, tant pis. Bon, après, les pièces de bagnole ça reste intéressant quand même parce qu'on a vu que ça se cassait assez vite. Hein. Ouais. La dernière fois avec ma tondeuse à gazon là, j'arrivais vraiment à rien. Il me résiste. Ça y est. On essaie d'atteindre cette station radio. Allez. C'est tout près en plus. Il y a un sympathique tuyau et des murs cassés. Hey buddy there. What were you and your brothers even doing in here? Aïe. Ouais, j'avoue, on peut pas choper ce mur. Pas là. Sérieux, les enfants, vous avez pas des endroits un peu moins, comment dire, craignos à jouer? Tiens, on peut monter, il y a un camion de l'autre côté. Ah oui, là il y a un gros trou dans le toit. Ah oui, c'était pas un petit gosse qui est tombé là, c'est quoi, c'était... Ça sent le piège. C'est quoi cette quête là? J'ai parlé à un gamin effrayé sur la radio et est tombé dans un trou quelque part, il est coincé. Putain, je me souviens plus du tout de ce truc quoi. Bah c'était un appel que t'as reçu. Oh ouais, mais je me souviens plus du tout d'avoir reçu ce truc. Bon là, il y a des sacs poubelles pour sauter.
On a une quantité de pièces, de jerrycan d'essence. C'est vrai que vu la taille de l'entrepôt, il devrait pas y avoir moyen de cacher un gamin trop longtemps, quoi. Normalement. En théorie, mais ça. Ça sent vraiment la belle. Ouais, ça sent vraiment la belle arnaque. Ouais. On peut fouiller les moteurs des camions. Hein. Ouais, les moteurs, les deux jerrycans de chaque côté. Des jerrycans de chaque côté. Bah, t'as deux réservoirs, un de chaque côté. Alors, je m'y connais pas des masses en camion, excuse-moi. Ah, oui, moi là, non plus. Okay. J'ai juste vu qu'il y avait deux jerrycans de chaque côté. Enfin, un jerrycan de chaque côté. Je vois. Il est pas si grand cet entrepôt là, c'est quoi ce délire? Prenons un peu de hauteur, on sait jamais. Mais il faut passer par la porte là. Ah, on peut passer par là? Ah oui, j'ai pas vu, ça continue par là. Vas-y, je te couvre. Ok, ça oh. Va. Bonjour. Ah, oh. Ça sent la. Ça sent la bonne arnaque. Un petit hôtel. Au bord de l'eau. Bon, on va passer aux pompes. Hein. C'est la bonne, c'est le bon endroit pour sortir un pont. Hey, où es-tu? Il n'y a rien ici. Putain, mais c'est moi ou c'est une épée de Zelda? Épée factice. C'est Zelda. What the hell? Big guy. Jesus, guys, can you keep it down? I mean, I appreciate the cheering section, but keep that up and I'll be drowning in. Quoi, il va falloir qu'on se fasse un gros tas avec notre épée en plastique là. Je suis désolé mais c'est grossophobe. Hey, I'm serious, shut up. Ah. D'où le gros. Wow. Qu'est-ce que c'est que ces foutus gamins quoi? Mais il était con ou quoi? C'est évident que c'était une arnaque. Avec, je vais me sortir de là et tout. Putain. Sans déconner quoi. D'accord, c'était un gars là. Visiblement, c'est pas les premiers. Shit. Dropping like flies. Alright. Bah, ils tombent comme des mouches, ouais, y'a des gamins qui s'amusent à faire des pièges, hein, forcément. Ok, là on va pouvoir avancer. Bon, ils sont où les gamins que je leur mette un coup de pompe dans le cul hein. Ça leur apprendra. Ouais, vraiment ça quoi. Se décrocher moi. Putain mais s'oublie pas de te soigner parce que si tu retombes sur un gros tas il va t'allumer. Effectivement. C'est bon, j'ai ouvert la caisse. Et résister un peu. Pour te ranger, tu piques tout le stuff des gosses. En même temps, ils ont cherché, hein. Holy shit, how many people have they fed to the big guy already? Ah ouais. C'est une manière comme une autre de vivre, récupérer des ressources, hein.
Ouais. Oh, ils ont même une PSP. Magnifique écran Samsung. C'est-à-dire comme un gars s'est rentré dans tout l'entrepôt et a tenté d'affronter un objet un zombie avec une PSP. PSP, t'en as plusieurs d'ailleurs ici. Et un écran. Jamais sur mon écran Samsung. Mais du coup on les trouve pas les gamins, sérieux? Parce que là, du coup la quête a changé là, mais. Bah elle est finie en fait. Bah ouais. Alors de toute façon on a quoi après? On doit parler à Jazir ou alors nettoyer des zones. C'est pas possible, genre ils se sont enfuis comme ça là et. En même temps, je suis sûr qu'ils nous auraient laissé l'opportunité de les attraper et se seraient fait flinguer d'office. Oui, et puis c'est vrai que bon, ça restait des gamins donc c'était un petit peu limite quoi. Je pense qu'ils auraient flingué. En prenant un petit peu le temps, on aurait pu trouver ce truc là plus direct. Pour ouais. Descendre là. Tu veux aller où? On va sur nettoyer la zone? Non, ouais, pardon, je regardais un peu. Mais je pense pas que quand je vois ça. Ça sent que c'était genre fermé avant, tu vois. Ouais, je pense, bah comme là, avec un. Un volet. Un volet. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement. Ma bagnole est à 400 mètres, ça fait quand même une trotte, hein. Mais bon, c'est atteignable, on va dire. Et où est la quête? Ah oui, bah ma bagnole est dans la safe zone. Et la quête est à 500 mètres. Bon, ça c'est un petit sprint dans la nature. Allez. Oula. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire? Bonjour. Ah, derrière. Je propose de se tirer. Ah bah tiens, copain du groupe. Tu tiens non, à le faire en fait. Non. Courez. Il y avait un bouton pour regarder derrière soi, je ne sais plus c'est quoi. Je sais pas. Mais c'est pas le moment de regarder. Tu me couvres, j'ouvre mes paramètres. Ah oui, effectivement, ça ressemble un peu à un circuit de course ici. Un peu beaucoup, les mecs, ouais. Ils n'ont vraiment que ça à foutre, quoi. Si on faisait une petite course avec le démolisseur qui se balade dans le coin, ça me paraît une bonne idée. Un Velux, parfait. Ah, t'as été visiter la maison toi? Bah écoute, j'ai vu une maison, je me suis dit. Ah merde, c'est fermé. Je peux pas rentrer par le Velux. Cette déception cruelle quoi. Par contre, là on dirait que ça peut peut-être passer. Non, ça peut pas passer. Toi t'es en pause hyper loin. Ouais, je suis au vendeur. Je vends des trucs. J'essaie de voir pour rentrer dans la maison, mais. Ça sent là, tu sais, ça se trouve, c'est là une maison de quête. Ouais, c'est possible. Ouais. Genre, si. Ah, mais non, il y a une porte là, putain. En faisant le tour de la maison, on tombe sur une porte. Le truc improbable, une porte quoi. Comment est-ce que vous voulez que je m'y attende, moi? Une porte dans une maison, j'attends de voir. Ah, ouais, non, mais c'est complètement. Vise la crédibilité, quoi. Ah bah là, il y a du loot par contre. Il y a un chapeau de sorcière, planqué sous l'escalier. Bon, on va monter à l'étage. J'ai trouvé aucun zombie dans cette maison, je trouve que ça aussi c'est plutôt douteux. Deux, j'en ai ici. Ok, ça c'est la porte qui va vers le Velux, mais elle est fermée des deux côtés.
Ouais, il y avait une bombe de peinture pour voiture. Quoi? Quelle couleur? Révolution. Oh, ça sent le rouge, ça. Écoute, je ne sais pas, je vais te retrouver. Il est dans la fût de chasse, le vendeur, là? Ouais. Imagine. Looking to buy. Alors, je sais pas du tout comment on calcule la résistance des zombies, mais t'en as certains, ils sont... Sans vent, sans garde... L'arc, est-ce que ça vaut bien la peine de garder l'arc? Je suis même pas sûr, en fait. Hello. What I have for sale, you can't find on a farm. Ouais, je vais le vendre pour faire un peu de place. Hop. Garder un arc alors qu'on a une arbalète, c'est quand même dommage. Mec, tu te pousses. Putain, mais casse-toi, je vais descendre. Voilà, du coup, je me fais mal. Bravo, quoi. Vive la solidarité. Tu m'en veux pas si je passe ramasser ton loot, hein? Oui. Je t'en veux atrocement. Écoute, hein, on n'a qu'à dire que ça vaut pour le coup de marteau que je me suis pris dans la tronche. Je vois pas de quoi tu veux parler. Exactement pour ça que j'en parle. Allez, on court dans les champs. On a encore 100 mètres à faire. Est-ce que t'es en train de faire exploser des trucs? Non. Putain. Je vois pas de quoi tu veux parler. Attention derrière toi. Bordel! J'étais en train de me concentrer sur... la saloperie de crasher là. Ah! Et c'est quoi le Bilzébufo là? Ah, c'est un truc un peu plus loin. Un peu dur là. Ah oui, y a une horde. Moi je les attire un peu plus loin. C'est gentil. Il me reste 8 secondes. 4, 3, 2, 1. Ah oui! Quel homme! Tout était calculé, tout était prévu. Ne remerciez pas l'excellence. Pas de soucis, je remercie pas. Et maintenant, le loot! Réparer mon arme parce qu'elle commence à être un petit peu dans le mal. Bon, il y avait quand même un crasher, tu t'en étais occupé du coup ou pas? Un quoi? Derrière le petit muret, il y avait un crasher, à la base c'était ça que j'étais en train de viser quand ils me sont tombés dessus par derrière là. Il a dû se barrer. Alors, ah non, il y a un paquet, donc j'ai réussi à le headshot juste avant qu'il me shoot la tronche, faut croire. Je sais même pas où il est. Je te montrerai. Juste là, là. Côté du petit... Ah, il est même pas généré pour moi, donc... Il se privatise d'XP, le mec. Alors, faut tuer le zombie invincible. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette grosse saloperie? Ça sent là, ça sent le truc puant, non? Tu vois les dégâts qu'il a dans sa tête là? Je vais lui faire un shot. Ah putain, il crache! Pourquoi c'est sur moi qui crache là? Bon, bah... Ça c'est fait. Vous avez appris à fabriquer courbe ardente. Très bien. Ah
Oh mais non. C'était quoi ça? Ouais. Katox, putain. Le zombie était piégé. Piégé mes voulu... fesses, ouais. J'ai voulu t'avertir, mais c'est trop tard. Oh putain. Moi qui me disais, tiens, je suis surpris que tu te sois pas fait le zombie en faisant exploser les trucs qui traînaient. Bordel. Je désinfecte la zone, hein, il faut. Hein. Non mais heureusement que t'as des gens comme moi pour vérifier que tout est bien désinfecté. Du coup, c'est redevenu une safe zone, ça? T'en as oublié, hein, je suis un peu déçu quand même. Mais je... Il allait le courir à chercher. Mais où il est? Mais où il est? Mais où il est? Mais où ça? Mais où ça? Mais où ça? Mais où? Moi, je te dis que t'en as oublié, hein. Je cherche. Oh là là. Ce manque de performance, quoi. T'as même voilà. Chopiti SC. C'est franchement la déception. C'est sûrement un point de vue différent. Ah oui. Alors bon, maintenant que je peux descendre sans risque, j'ai vu que la porte pouvait s'ouvrir. T'as de la chance. Ouais. C'est ce que je me dis tous les jours. Ah ouais, mais là, la main était juste à côté de toi. Mais c'est parti du décor. Oh, c'est dingue, ça manque de loot dans les maisons. Hein. Bon, après, c'était une maison qu'on devait nettoyer, on l'a nettoyée, voilà quoi. Mais... Quoi, c'est tout, c'est pas une safe zone, c'est. Non, bah, c'était des mecs qui étaient en train d'essayer de transformer ça en safe zone. Putain, y'en a un qui est là. Ah non, fuite, vite, partez! Raté, t'étais pas assez prêt. Je suis immunisé surtout. T'es immunisé, ouais, certainement. Alors du coup, on a une autre zone à nettoyer. Oh non, c'est trop loin, on va pas prendre ça comme quête. Bon, je propose d'aller à cette safe zone là et de la débloquer. Comme ça, on pourra invoquer les bagueurs. Il y a un drop quelque part. Là-bas. On y va? Vite au drop. Pas vu où il était, donc je te suis. Rien qu'avec la, rien qu'à traverser le truc en nageant, on est à la rue quoi. Et vu l'énorme usine qui est à côté et le lac qui est ici, y a aucun risque pour croire que c'est potentiellement un bassin de produits chimiques. Non mais ça c'est, ça n'existe pas dans les jeux vidéo. Non, il y a déjà des zombies à gérer quoi. Mm-hmm. En plus mettre un bassin de produits chimiques. Oh là là, qu'est-ce qu'on se traîne. Allez, le petit sprint là. Voilà, cours. Alors ici, il y a un petit hôtel. Non, absolument pas. Ah. D'accord. Bah tant mieux. Ravi de le savoir, hein. Grouille de zombies un peu là quand même. Mais non. Une zone industrielle, bien sympathique. Putain c'est loin. Ça y est, on commence à voir la fumée. Ah, tu vas me dire qu'il est de l'autre côté du mur à la con et qu'on va pas pouvoir passer le mur à la con. Oh, on va pouvoir le passer en grimpant en haut. Ouais. Pas possible. Échec. Ah là là, cette tristesse infinie des gens. Ils ont quand même, il y a quand même moyen de passer ce truc. Ouais non, c'est pas possible, c'est trop loin. Je suis passé. Ah tu parles, le temps qu'on a pris à passer là, c'est mort quoi. En train de te faire des amis. Je les aurais tués si je pouvais. Je veux mon loot. Bon, t'es passé. Je sais pas, j'ai cliqué partout, puis à un moment, mon personnage a pu passer.
Bordel. Non, t'es sérieux? Allez, on recharge ça. Voilà. Tirer mon loot. Putain, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que cette zone scriptée à la con là? Ils m'ont tiré mon loot! Il y a un démolisseur qui se pointe. Bon, ça passe en place. Ouais, bah si j'arrive un moment à sortir de là. Ce qui pour l'instant n'est pas forcément. Ah, putain, y'a l'autre qui me balance des caillasses en plus. Non, j'aimais bien l'idée là que j'avais eu de monter sur le truc et puis de sauter là. Mais pourquoi il veut. Tout à l'heure j'ai pu le choper là, c'est quoi ce. Moi j'étais monté sur. J'étais monté sur le silo et puis j'avais fait. Ouais, bah moi aussi, mais tout à l'heure j'ai réussi à le choper une fois et maintenant j'arrive plus. Ah, ça y est. Allez, grimpe. Tu peux pas aller plus haut. Voilà, bordel. Bon, j'imagine il l'a que eu. C'est mort le. Non, j'ai une partie. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Ils étaient méchants les messieurs. Je sais pas, ils n'ont pas eu le temps de parler, ils ont une balle dans la tête. Même pas un carreau d'arbalète. Non. Je suis pas fourbe à ce point-là, moi. faut vivre avec son temps, faut développer un peu. Du coup, il paraît qu'on a débloqué une safe zone. Ah bah on dirait que l'endroit d'où on est parti finalement est devenu une safe zone. Bon bah, très bien. Et on aura pu faire apparaître notre véhicule. Et ils exactement. Se foutent de nous. Exactement. Du coup, pour la peine, on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.